Allez, comme d'hab, la pire partie de l'année, le top des catastrophes. Et comme d'hab, les trois quarts sont françaises. Fais chier. What? What the fuck? Comme chaque année, il y a du bon comme du mauvais. Et autant dans le cinéma qu'à côté, l'année 2016 a été particulièrement croustillante dans le genre. Encore une fois, c'est très personnel comme classement. Mais franchement, c'est la première année où je prends conscience qu'il y a peut-être un peu trop de français dans mon classement, même si j'ai essayé de prendre beaucoup de recul. Allez, mettons le nez dans la marde, comme diraient nos amis québécois. Numéro 10. Un américain pour commencer, et une nouvelle démonstration que vouloir toucher le grand public avec un objet relié aux jeux vidéo, ça ne marche toujours pas. Malgré tout son talent, Kurzel n'a pas réussi à faire de la franchise vidéoludique d'Ubisoft une bonne franchise de cinéma, offrant un film avec quelques bonnes idées mais clairement pas le bon dosage dramatique et cinématographique possible. Impossible de reprocher une once de fanservice de la part de Kurzel, celui-ci évitant totalement cet écueil, mais pour autant, le matériel ne fonctionne pas du tout sur la longueur et encore moins dans ses retournements dramatiques. Dommage, ça aurait pu donner un joli moment de cinéma, mais au final c'est un énième coche loupé pour le jeu vidéo au cinéma. Numéro 9. Allez, on va faire simple, c'est une petite déception quand on connaît la réalisatrice, mais en soi c'est le stéréotype parfait du film français intellectualisant. Lourdingue, pompeux, réflexif à en crever, d'un ennui philosophique mortel, le long métrage de Mia Hansen-Løve est un pur objet de tristesse cinématographique, ne cherchant jamais à être plus qu'un terrible et vain film de vieux, se perdant dans un trop-plein de références lourdes et poussives. Le pire, c'est que la réalisatrice est une petite jeune de 35 ans, alors pourquoi déjà à son âge faire un film de vieux comme ça, sérieusement? Bref, encore un film français d'intellectuel se perdant dans une complaisance qui fait juste peine à voir. Espérons que la jeune réalisatrice retombera amoureuse de ses premiers sujets et ne se perdra pas à nouveau dans un tel déluge de tristesse cinématographique. Numéro 8. On aura beau avoir dit du mal des deux précédentes adaptations des romans de Dan Brown, celle-là c'est quand même une belle catastrophe. Difficile d'être subtil face à un film qui ne l'est pas du tout dans son irrévérence des propres codes qu'il a mis en place, car ici, Ron Howard semble refuser l'existence même des deux premiers longs métrages pour nous offrir un film tout simplement triste, long, se perdant dans ses thématiques et ses personnages. Rien n'est intéressant dans Inferno, les personnages ne sont pas attachants, l'esthétique est brouillonne, l'ensemble dramatique encore plus, et le sujet mal amené. C'est une belle démonstration de talent gâché devant comme derrière la caméra. Donc voilà, suite et fin des aventures de Langdon au cinéma, dans un déluge de mauvaises idées et de mauvais goût. Dommage. Numéro 7. Ah là là. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant ennuyé devant un film, tout en me disant « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Qu'est-ce que je me fais chier ? Un sujet comme celui-là, en même temps, aurait dû mettre la puce à l'oreille, ainsi que le choix de l'acteur central. Mais voilà, on ne sait jamais, on se dit devant ce genre de film. Mais clairement, le long métrage de Albert Serra est une belle démonstration d'un auteur graphique servant un script pauvre et triste. On s'ennuie à mourir devant une œuvre qui aurait pu, et aurait dû même, être épique et forte, mais qui sombre dans un voyeurisme froid et glauque à la limite du soporifique. Vraiment. Et Jean-Pierre Léaud qui en fait des caisses, je ne vous en parle même pas. Autant tout de suite essayer d'oublier celui-là. Numéro 6. Il m'a hanté toute l'année celui-là, un des premiers films que j'ai vu et un des derniers dont je parle. Le réalisateur de Cyprien qui nous raconte l'histoire de deux hommes perdus sur une île, mais pas vraiment. Waouh, quel pitch ultra classe! Ou pas, c'est d'un ridicule et d'un consternant sans nom. Ça ne tient jamais la route, c'est con et consternant à la fois, ça nous donne envie de nous tirer une balle dans la tête toutes les 2 secondes, et ce n'est pas Auteuil et Stoker, tous deux insupportables, qui vont nous rendre le voyage plus agréable, oh que non, mon bon et cher spectateur. Et on est à peine à la moitié, donc tu n'imagines même pas ce que j'ai vu ensuite. Allez, on tarde pas plus. Numéro 5. Autant le premier était terriblement fun malgré une mise en scène extrêmement classique, autant le deuxième est complètement foiré. Mise en scène en roue libre, voire même littéralement dans les choux, acteurs ne parvenant jamais à saisir leurs personnages, scénario qui ne tient jamais la route tant les retournements et l'esprit du film puent le réchauffer du premier version nanar, tout est là pour nous faire comprendre que cette suite est là pour cachetonner. Soit on ne comprend pas les motivations des personnages, soit on passe à côté, soit le film ne cherche même pas à être cohérent dans sa simple idée de création cinématographique, mais bon, cela ne reste que l'hypothétique. Tout ça pour dire que John M. Chu devrait retourner faire des documentaires larmoyants sur Justin Bieber. Numéro 4. Alors même dans mes rêves les plus fous, jamais j'aurais imaginé voir un film comme ça dans les salles. Sérieusement. C'est un vrai nanar ce film. Le genre de film à concept qui étonne tellement, il additionne les idées surréalistes et totalement loufoques. À côté de concept art et d'évolution de personnages ridicules pour un instant de cinéma qui sort de nulle part et qui fascine par sa bêtise purement et simplement magnifique. Il faut le voir pour le croire, tant le film aligne les idées à la con et se prend pour un film intellectuel ou pire même une œuvre populaire et universelle de par sa romance rendant le film encore plus fou. On en ressort littéralement subjugué par ce que l'œuvre nous montre et par ce que Marie Madinier met dans son film. Et là, on rentre dans le gras du gras 2016, et devinez quoi, il n'est pas que tricolore. Numéro 3. Non, juste non, ce film ne devrait pas exister en 2016, ce film est méprisant et juste d'un con atterrant. Je veux pas en parler. C'est juste une calamité cette œuvre, c'est long, c'est lourd, c'est malveillant envers son public, ça n'est même pas un film d'horreur qui se vend comme tel, c'est juste une purge monumentale et triste à voir. Rien que de le mettre dans ce classement c'est une honte, alors le voir en salle je vous dis pas, je me sens encore sale du visionnage de ce film. Arrête, ça fait beaucoup trop d'images à cauchemar dans ma tête. Exactement. Numéro 2. Je pouvais pas laisser passer ces deux-là, mais vraiment pas. Genre faut vraiment arrêter de faire des comédies comme ça. L'un est une suite ridicule et consternante, un film qui va à l'encontre même de la pseudo-réussite de ses deux précédents volets, alors que c'est la même équipe. Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès, sérieusement? Ce n'est quand même pas bien compliqué, Monsieur Antiliente. Et l'autre, c'est un gâchis de talent. Uniquement derrière la caméra, hein, parce que franchement, mettre l'un des meilleurs cinéastes de genre français aux commandes d'un film ringard comme ça, merci la fausse bonne idée. Et pourtant, ce n'est pas le pire film français que j'ai vu cette année. Et ce n'est même pas une comédie le pire. Et en plus, ça n'est pas pour des raisons de production qu'il est mauvais. Numéro 1. En sortant de la salle, j'étais quasiment sûr qu'il finirait premier de mon classement. Et c'est véridique. Richard Berry vient clairement de livrer une œuvre terriblement mauvaise dans sa manière de regarder, l'un des pires faits divers de l'actualité française des 10 dernières années, en revenant sur l'enlèvement d'Halimi par Youssouf Ofana. Bourré de mauvaises idées, plombé par une dramaturgie oppressante et maladroite et des effets de style surdramatisant une action maladroite, tout est là pour provoquer une haine profonde du spectateur envers cette œuvre. On nous met du point de vue de Fofana en plus. Sérieusement. J'ai jamais vu une œuvre chercher autant à nous faire comprendre les actions de l'antagoniste d'une œuvre à ce point. On ressort du film perturbé et surtout mal d'avoir vu un cinéaste autant chercher à nous faire comprendre et admettre ses actions. Ce film est juste extraordinaire dans son degré d'incompréhension de l'horreur de cet homme et de cette histoire. C'est une catastrophe narrative, graphique et émotionnelle ce film. Point. Voilà. On en a fait le tour des pires films de 2016. Et vous alors, c'est quoi votre pire film de l'année ? Je pense que pour beaucoup, ça sera les Visiteurs 3, non? Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau top, et d'ici là, vive le cinéma!